Si on est présent aujourd'hui, c'est parce que c'est la journée internationale des droits des femmes et que c'est important que les centres d'information sur les droits des femmes et des familles soient représentés à plusieurs endroits du département. Et voilà, aujourd'hui, on est présent au Cinétoile pour un stand d'information. Il y a encore tellement de choses à faire pour le droit des femmes qu'il faut sans cesse être présent les 8 mars. Mais les CIDFF, c'est tous les jours en fait qui font la promotion de l'égalité, de l'autonomie des femmes et de l'accès aux droits des femmes. Cette année sur Digne, on a décidé de prendre le thème des femmes dans le sport. On s'associe à Femmes Solidaires et au GDOS qui tient une exposition qui retrace l'histoire des femmes dans le sport. Et toutes nos interventions qu'on va mener au cours de cette semaine et notamment les interventions en milieu scolaire vont être en lien avec l'accès au sport des jeunes filles, les femmes dans le sport, l'emprise qu'on peut retrouver avec les éducateurs sportifs. Battons-nous contre les stéréotypes, les discriminations, le patriarcat, le capitalisme. Les progrès qui restent encore à faire, c'est d'avoir des orientations professionnelles moins genrées, avec des métiers plus ouverts aux femmes ou aux hommes, qu'il y ait plus de mixité des métiers, que les femmes puissent se projeter sur des métiers dits masculins, qu'on puisse retrouver des femmes qui travaillent en maçonnerie, et des entreprises plus ouvertes à recevoir des femmes dans leurs effectifs.